Rares sont les personnes à ne pas se souvenir de George Alan Jones. Candidat de la seconde saison de la Star Academy, ses prestations scéniques et sa reprise de la Ketchup ont laissé un souvenir impérissable. Tout comme son interprétation du titre de la promo de l'époque, Paris Latino. Si est d'ailleurs en partie grâce à cette chanson que George Alain est repassé de l'ombre à la lumière récemment, en faisant une apparition dans la carte Joker de Laure Felpin pour la saison 3 de LOL, qui ressort. Elle me fait kiffer. Si est pas juste une comique, si est une actrice, une comédienne, elle arrive à incarner des personnages avec une violence. Elle est habitée. Jamie, les gens qui bossent, qui vont chercher des choses, il faut être méritant dans la vie, a-t-il fait savoir aux Parisiens. S'il ne méritait clairement pas de remporter la Star Academy, George Alain de Jones s'est tout de même battu dans le domaine de la musique. Il est même resté lié à Pascal Nègre, ex-PDG d'Universal Music, durant 5 ans. L'aventure a finalement pris fin, laissant à George Alain le loisir de faire tout ce qu'il veut. Mais s'il a multiplié les casquettes, le plus beau rôle qu'il a joué reste celui de papa. Il y a 17 ans, George Alain faisait la rencontre de sa fille. Et s'il en parle très peu, il n'en est pas moins fier d'elle, si il estime ma plus grosse fierté. Ma fille m'a appelé aujourd'hui, elle passait son bac blanc. Je ne l'ai pas eu super jeune, j'avais 30 ans. Elle est folle comme moi, mais elle est ouverte au monde. Si estime mon bonheur, je pourrais en parler toute la nuit. Keep it up, I have a remake, it's a